Notre émission ce matin va être consacrée à une œuvre littéraire. Mais il s'agit d'une œuvre littéraire qui a joué un tel rôle dans l'histoire de la pensée, et comme on dit aujourd'hui, qui est un tel témoignage sur l'histoire des mentalités médiévales, qu'elle nous a paru avoir parfaitement sa place dans les lundis de l'histoire. D'autant plus que... De plus en plus, les historiens de la littérature deviennent non seulement des historiens tout court, mais font concourir à l'explication des œuvres les autres sciences humaines. De plus, l'ouvrage dont nous allons parler ce matin a été qualifié par des auteurs qui sont ici tantôt une des œuvres capitales de la culture française, est tantôt cette cathédrale de mots qui s'est élevée très haut dans l'histoire de la pensée. Donc, un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est le roman de la rose et le roman de la rose qui par l'effet d'une part des programmes universitaires et de l'autre sans aucun doute d'un goût plus profond semble revenir à la mode. Revenir à la mode car il s'agit d'un des ouvrages qui a connu, durant le Moyen-Âge et jusqu'au milieu du XVIe siècle, un très grand succès. Les auteurs qui sont ici me précisaient il y a un instant qu'il y a au moins 250 manuscrits du roman de la rose, qu'on en découvre toujours, et que, comme point de référence, on peut signaler qu'il y a environ 10 manuscrits de chrétiens de Troyes. Le Roman de la Rose vient de susciter des publications très importantes. D'abord, celle de Daniel Poirion, qui a donné une édition intégrale de l'œuvre en ancien français dans les classiques Garnier-Flammarion et d'autre part, une étude d'ensemble de l'œuvre, intitulée Le Roman de la Rose, dans l'excellente collection Connaissance des Lettres, chez Attier. Et d'autre part, Jean Batagni a réuni chez Bordas une série d'études intitulées Approche du roman de la rose. Ce sont probablement les quatre meilleurs connaisseurs en France du moins du roman de la rose qui sont réunis ce matin autour du micro des Lundis de l'histoire. Pierre Badel chargé d'enseignement à l'Université de Paris-Vincennes, Paris 8, qui prépare un grand travail sur le roman de la rose et sa fortune au Moyen-Âge, Jean Batany, chargé d'enseignement à l'Université de Tours, Jean-Charles Payen, professeur à l'Université de Caen, et Daniel Poirion, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Le roman de la rose, c'est d'abord une histoire. Et cette histoire, je vais demander à Daniel Poirion de bien vouloir nous dire qui l'a écrite et de commencer au moins par la raconter à nos auditeurs. Daniel Poirion. Cette œuvre a été composée en fait par deux auteurs à 40 ans d'intervalle environ. Et c'est justement le fait de cette dualité même d'auteur et de cette distance entre les deux parties qui peut intéresser les historiens parce qu'elle donne une perspective, si l'on peut dire, stéréoscopique sur le XIIIe siècle. Il s'agit d'abord de Guillaume Deloris, auteur de la première partie, un peu plus de 4000 vers, et de Jean Demain qui apporter une seconde partie beaucoup plus longue, plus de dix-sept mille vers. Mais nous allons séparer notre étude et étant donné justement l'écart chronologique entre les deux parties de ce roman de la rose, il est tout à fait normal et recommandé d'étudier d'abord Guillaume de Loris sans trop s'inquiéter de ce que l'avenir fera de son œuvre. Guillaume de Loris, on le connaît bien. On ne sait rien de Guillaume de Loris, sauf ce que un personnage de la partie rédigée par Jean Demain nous en dit, c'est-à-dire le Dieu Amour, qui le nomme et qui fait allusion à l'entreprise qu'il a faite de raconter cette histoire. Quelle est cette histoire En fait, c'est un songe que. Le narrateur entend nous rapporter un songe qu'il a eu et qui s'est avéré prémonitoire. Il était jeune, c'était le printemps, et une nuit, il rêve qu'il se lève, attiré vers l'extérieur par le, le renouveau de la nature, par le chant des oiseaux. Il se prépare soigneusement et avec coquetterie, comme les damoiseaux de l'époque et il le sort, il descend le long d'un cours d'eau. Le voici qui arrive devant un verger clos d'un mur. Sur ce verger sont représentées des images qui euh, qu'il regarde avec intérêt et qui semblent vouloir interdire l'entrée à ceux qui ressemblent à ces images. Mais attiré vers l'intérieur de ce verger par le chant des oiseaux qu'il entend, il cherche désespérément une entrée, il fait le tour de ce jardin jusqu'au euh, jusqu moment où il trouve une petite porte, un guichet, et il frappe, et voici qu'une jeune personne très jolie, oiseuse, vient lui ouvrir. Elle l'introduit dans ce verger. Et c'est alors la description du verger. Ce sont les arbres qui sont là, de toutes les espèces, les animaux qui pullulent. Et au milieu de ce verger, ou à l'intérieur du moins, une société est en liesse à laquelle peu à peu se mêle, invité par tel ou tel des personnages, notre narrateur qui toujours rêve. Il était pris très vite de cette vie heureuse qu'il voit sous ses yeux, mais. Euh, invité à se mêler à cette société, il euh, fait preuve de timidité et peut, sans qu'il s'en aperçoive, d'abord, le dieu amour s'est mis en chasse, il le guette. Et c'est lorsqu'il arrive au centre du verger, à une fontaine, la fontaine où Narcisse s'était regardé, que tout d'un coup, quelque chose de merveilleux semble survenir. D'abord, inquiet de, par cette fontaine, le narrateur nous dit qu'il s'y est malgré tout, regard, du moins qu'il s'est penché sur elle, qu'il a regardé le reflet du jardin dans cette fontaine, et qu'il a aperçu un buisson de rose, et tout de suite s'est senti attiré vers un bouton de rose aperçu là. C'est à, à ce moment que le dieu amour, qui jusqu'alors le guette, l'attaque avec ses flèches, les flèches dont on nous donne les noms et qui figurent visiblement euh, le premier coup de foudre amoureux, si l'on peut dire. Et désormais, le récit va nous montrer les vicissitudes de, de, du jeune homme, s'efforçant de cueillir le, la rose, mais en même temps trouvant des obstacles, des personnages qui euh, le, le font reculer. Et euh, ces vicissitudes... Euh, L'amèneront finalement euh, à donner un baiser malgré tout, mais ensuite il sera rejeté. Et euh, le roman se terminera, enfin la partie rédigée par Guillaume de au moment où le jeune homme se trouve arrêté par une construction curieuse, euh, une sorte de château-prison. À l'intérieur duquel, d'abord, est enfermé le rosier dans la cour, mais aussi le personnage sympathique qui avait semblé vouloir lui faciliter euh, son désir, le bel accueil, prisonnier du donjon. Et le récit s'arrête au moment où le narrateur est en quelque sorte désespéré devant l'impossibilité où il se trouve de rejoindre l'objet de son désir. Merci Daniel Poirion pour ce récit. Euh, en vous écoutant, on a l'impression que beaucoup de choses posent problème dans cette histoire. Euh, je me demande par exemple si euh, le songe euh, que vous avez évoqué, et qui est visiblement une forme littéraire, un artifice littéraire, quel sens il peut avoir de même, m'a t-il semblé, les principaux personnages auxquels le héros se trouve confronté ne sont pas euh, des euh, personnages vivants, des personnages concrets, mais ce sont des allégories, des allégories personnifiées. Et enfin, il me semble que nous avons affaire, au fond, euh, à un art d'aimer, et que nous sommes dans le domaine de la courtoisie et de la courtoisie chevaleresque, aristocratique. Euh, autant, me semble-t-il, euh, de questions euh, pour savoir à quel goût, à quelle société euh, pouvait correspondre, euh, vers le premier quart du XIIIe siècle, euh, cette œuvre. Et d'abord le songe. Euh, Est-ce qu'il s'agit euh, d'un genre littéraire euh, très cultivé Qu'est-ce que ça pouvait signifier, oui. les songes Il est évident que le songe, ici, nous renvoie à une pratique de la poésie, hein, en particulier de la littérature didactique, euh, très ancienne. On se réclame au moins de Macrobe, cet auteur de la fin du IVe siècle, et qui euh, a composé euh, le Sion, euh, une un œuvre, commentaire sur le songe de Scipion. De et euh, depuis, nous, les auteurs ont trouvé là un procédé commode pour présenter des textes qui doivent euh, être interprétés en profondeur. Et peut-être. Euh, même pour justifier une présentation voilée du sens. Car de même que dans un songe, nous le savons tous, il convient de déchiffrer les images euh, pour comprendre ce qu'il signifie, de même dans cette littérature du songe peut-on chercher un sens. Jean Batani. Oui, j'aime me suggérer, étant donné que Daniel Poirion, très justement dans son livre, montre que l'aventure racontée par guillaume de lorris est une histoire d'initiation nous y reviendrons peut-être tout à l'heure euh, j'ai même suggéré de rapprocher cet emploi du songe du rôle que le songe a dans les initiations chez certains peuples sans écriture oui je crois que vous commencez à toucher deux choses très importantes en ce qui concerne l'explication de l'œuvre l'incitation à aller chercher un sens caché euh, derrière l'histoire, et d'autre part, un élargissement euh, de ce thème en montrant euh, comment nous avons affaire là à une mentalité et à un type de culture euh, qui invite à un large comparatisme. Jean-Charles Paillet. Le songe est un artifice qui permet de dépasser la réalité concrète, et je pense qu'il y a un aspect essentiel du songe. C'est-à-dire que le songe permet de voir des personnages qui sont des figures, c'est-à-dire qui traduisent dans un contexte qui est un contexte platonicien, non pas le monde de l'apparence, mais vraiment le monde de la réalité essentielle. Et le songe est un artifice adroit dans le roman de la rose qui permet à Guillaume de Loris de passer de l'aventure individuelle de son amour à quelque chose d'autre, transformer cet amour qu'il est censé avoir vécu en amour exemplaire, c'est-à-dire que le songe permet le glissement l'art d'aimer, comme il l'explique lui-même dans son prologue. Euh, oui, madame. Je voudrais ajouter une chose, enfin je voudrais faire remarquer que ce qui me paraît aussi important qu'on ne peut pas euh, dissocier du songe, c'est d'une part l'allégorie, mais d'autre part le fait que ce songe est un songe raconté à la première personne. Tout cela est lié, il y a une sorte de convergence, n'est-ce pas, de procédé. Euh, qui tendent euh, effectivement à présenter le texte qui va suivre comme une révélation. Alors il y a peut-être une sorte de dialectique entre justement le caractère euh, révélé du, du message et d'autre part l'insertion enfin, de ce message, enfin le fait que ce message est concerné un individu, une personne. Enfin je, je ne sais pas, peut-être que j'accorde peut-être une importance trop grande à, à ces à ce jeu qui parle, mais je crois que là, il y a quelque chose d'important et qui, par la suite, euh, dans les nombreux textes, dans les nombreux songes qui seront écrits à la manière de Guillaume Deloris, prendra toujours plus d'importance, on verra valoriser tous les éléments, n'est-ce pas, qui euh, tendent à donner presque un caractère un peu autobiographique au jeu. C'est encore très virtuel chez Guillaume Deloris, Guillaume de, le song qu'il raconte. Il est difficile, quand même, de lui donner une valeur biographique, enfin très précise. c'est -ce que quelque chose de très nouveau dans la littérature médiévale, ce ton autobiographique, ce jeu qui parle. Moi, je songe, n'est-ce pas, euh, à d'autres œuvres qui sont des œuvres plus proprement historiques. Et il y a une grande étude allemande sur l'autobiographie au Moyen Âge, euh, qui, en particulier, met en valeur le fait que l'autobiographie euh, démarre discrètement au XIIe siècle euh, et ne S'affirme précisément qu'au XIIIe siècle. Dans les œuvres proprement littéraires, est-ce qu'il y a là un ton nouveau Je pense que Daniel ce, ce qui est intéressant, c'est la reprise en somme du sujet euh, lyrique qui, naturellement, parle à la première personne dans un cadre beaucoup plus ambitieux et narratif. À et en même temps didactique. Et je crois que le génie de Guillaume Deloris, c'est d'avoir rassemblé ici plusieurs traditions littéraires dans une unité de Absolument. création poétique qui va lui permettre de euh, réaliser justement ce style allégorique qui le caractérise Oui, je crois qu'effectivement, ce qui frappe beaucoup, et, et c'est bien le, le génie déjà du premier auteur, c'est d'avoir su euh, réunir dans, dans une œuvre euh, où c'est très bien uni, divers niveaux euh, littéraires, en même temps que divers niveaux de signification de l'œuvre. Jean-Charles Payen Précisément, ce qui apparaît chez Guillaume Deloris, c'est que c'est un carrefour un carrefour entre diverses grandes tendances il y a chez Guillaume de Lorris et il faudra que nous y revenions tout un héritage et cet héritage c'est celui de l'art d'aimer des troubadours des troubadours occitans puis des trouvères de langue toile il y a chez Guillaume de Lorris l'héritage déjà d'une littérature allégorique qui s'est constituée peut-être moins à l de l'île, que euh, des gens comme euh, Raoul de Houdanque, qui avait déjà fait un poème sur la courtoisie qui était un poème euh, allégorique, qui s'appelait Le roman des ailes. Et puis, il y a derrière tout cela aussi, chez <coughs> Guillaume de Loris, une certaine présence ovidienne, même si ce n'est pas tout à fait le même Ovide, euh, que traitera jean demain plus tard mais ceci c'est un problème que oui, nous verrons euh, un peu plus Ovid, tard. Ovid, n'est-ce pas Vous voulez parler de du ce poète latin du 1er siècle, du premier siècle euh, dont les, les œuvres poétiques euh, concernant l'amour euh, ont eu tellement d'importance au Moyen Âge et déjà euh, au 12 siècle puisque on a même appelé si je ne m'abuse le 12 siècle euh, l'âge d'Ovide. Euh, vous avez fait allusion à quelque chose qui, je crois, doit nous permettre d'avancer davantage dans la compréhension de cette œuvre qui s'annonce en définitive assez mystérieuse. Euh, c'est l'allégorie, euh, qui semble être beaucoup plus qu'un procédé littéraire, mais euh, quelque chose de central dans l'œuvre. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce que c'est euh, l'allégorie, euh, c'est un mot que nous employons tous, euh, mais nous n'y mettons peut-être pas toujours un contenu bien précis, et en particulier, il s'agit de savoir ce que l'on entendait par allégorie au XIIIe siècle, et plus particulièrement dans le roman de la Rose. Pierre Badel. Bon, eh bien, je, je voudrais simplement introduire à la présentation de l'allégorie, c'est effectivement une question très difficile. Euh, je ferai remarquer tout de suite que le mot allégorie ne figure pas dans le roman de la Rose, ni dans sa première partie, ni dans sa seconde. Mais alors, je partirai, disons, du, du sens qui est le plus courant pour nous aujourd'hui, pour le mot allégorie. Euh, spontanément, euh, nous appelons allégorie, eh bien, euh, une personnification. Bon, euh, C'est-à-dire qu'on euh, prête à une abstraction, à un sentiment, comme par exemple la pitié, n'est-ce pas Une voix, une parole, euh, un physique, un corps, on le fait agir. Alors, ça apparaît très bien, par exemple, donc, dans la première partie du roman de la Rose. Dans le récit qu'a qu résumé tout à l'heure Daniel Poirion, on voit très bien donc ce jeune rêveur, n'est-ce pas, qui rêve euh, qui, et qui s'éprend d'une rose, qui désire ardemment cueillir une rose. Et il est favorisé, euh, je choisis un dessin des, des euh, noms qui existent, enfin dans le sens, dans la valeur, n'a pas changé aujourd'hui, il est favorisé par certains personnages comme « Pitié ». Il est, en revanche, euh, écarté de la rose par un autre personnage comme honte. Alors, pitié, euh, c'est un personnage qui parle, qui agit, qui est sommairement décrit. Honte aussi. En un sens, ce sont des personnages, n'est-ce pas, exactement, au fond, du point de vue du narrateur. Ce sont des euh, pitiés, c'est quelqu'un qui le favorise. Honte, quelqu'un qui l'écarte. Ce sont des personnages, eh bien, analogues. Euh, je prendrai comme point de référence les romans de chevalerie. Euh, pitié, eh bien, c'est un peu l'équivalent de ces jeunes filles que rencontre sur son chemin euh, le euh, lancelot, et qui l'aide à mener sa quête. et honte, eh bien, c'est un peu l'équivalent de ces laides de pucelles, de ces laides jeunes filles, de ces laides femmes, n'est-ce pas, qui l'écartent au contraire de sa route. alors, c'est un premier aspect du personnage. mais, d'un autre côté, pitié, quand on y réfléchit, c'est aussi euh, le sentiment de pitié, euh, de, euh, de compassion que la jeune fille, qui en définitive est symbolisée par la rose, euh, ce, le sentiment de, la, de compassion que cette jeune fille a euh, pour euh, l'amoureux qui lui fait la cour. De même, la honte, c'est le, euh, le sentiment de retenue qui euh, lui fait craindre de se compromettre aux yeux du monde en accordant euh, de menus faveurs à, à cet amoureux. Ainsi, par le biais de la personnification, on voit que deux plans de compréhension de l'œuvre euh, sont mis en rapport l'un avec l'autre. Et ainsi, on aboutit donc à une définition très vague, très générale de l'allégorie, qui est donnée par les traités de rhétorique. Par l'allégorie, une chose est dite, une autre est signifiée. Et il y a bien d'autres procédés qui interviennent que la personnification pour cela, euh, mais le phénomène allégorique est d'abord, on peut le définir d'abord ainsi. Guillaume de est amené ainsi donc à distinguer deux plans de compréhension de son œuvre la parole ouverte, l'apparence, et la parole couverte, la par le sens disons caché. Jean-Charles Payen. C'est ici peut-être qu'il est temps d'en venir à ah, une réflexion sur la signification de tout cela. Car, allégorie, et Badel l'a très bien dit, en définitive, c'est une sorte de lecture seconde. Alors nous avons une histoire, et cette histoire se déroule sur le plan romanesque, selon des schèmes qui sont finalement assez traditionnels, adjuvant-opposant. Mais derrière tout cela, on lit autre chose. Et alors, ce que l'on lit, en définitive, c'est une leçon qui est exposé dans le prologue où Guillaume Deloris nous dit ⁇ C'est le roman de la rose où l'art d'amour est tout en clause. Et à ce moment-là, il faut peut-être revenir sur le sens de ces figures. Par exemple, celle qui ouvre la porte. Elle s'appelle l'oiseuse, c'est l'oisiveté, c'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler. Et d'emblée, cela nous précipite dans une certaine atmosphère, l'amour qui est réservé aux gens qui ne travaillent pas. Donc, un univers aristocratique ou clérical, on ne sait pas encore. Un peu plus tard, nous verrons qu'il s'agit d'un univers aristocratique. Bon, l'amant entre dans le verger. Il est invité à la danse. Il refuse cette danse d'une certaine manière. Poirion disait tout à l'heure par timidité. On peut en discuter. Il y a, disons, une réserve et une sorte d'inquiétude. Cet univers est un univers de bonheur, mais c'est aussi un univers piégé. Il y a la présence d'amour avec ses flèches qui suit l'amant. Il y a donc une certaine angoisse. Le mot est peut-être un petit peu trop fort, mais néanmoins cette réalité me semble présente. L'amour qu'on va nous raconter est un amour difficile qui va se dérouler suivant des épreuves. Ensuite, il y a l'histoire des flèches. Ces flèches... C'est un coup de foudre, mais je crois que c'est un peu plus qu'un coup de foudre. Quand on voit à quoi correspondent ces flèches, on s'aperçoit par exemple qu'une flèche s'appelle compagnie, qu'une autre s'appelle courtoisie, et que tout cela correspond peut-être à des étapes dans l'amour courtois. Il y a un moment où l'amant attend de la dame qu'elle l'accepte parmi les siens, et c'est peut-être cela, euh, la notion de compagnie. Il y a un moment où la dame engage le dialogue, et c'est peut-être cela. Courtoisie. Je dis bien peut-être, parce que tout cela n'est pas explicité exactement. Et en définitive, on peut se demander s'il n'y a pas ici la traduction d'une certaine démarche qui débouche sur quelque chose, sur un moment bien précis, le moment où l'amant donne le baiser à amour, ou plutôt où amour consent le baiser. Et ce baiser est un baiser d'hommage, il est présenté comme tel. À ce moment-là, amant devient l'homme-lige de l'amour. Et à ce moment-là aussi commence un discours d'amour qui est presque un discours d'initiation, où amour énonce ses commandements et annonce à l'amant les épreuves qu'il va avoir. Et je pense que dans cette ligne-là, et cette lecture n'est probablement pas si hypothétique, nous débouchons en effet sur une sorte d'art d'aimer, d'art d'aimer par figure. D'art d'aimer, pour employer un mot qui est très fréquent au Moyen Âge, d'art d'aimer par exemple, par exemple. Euh, en vous écoutant Jean-Charles Payen euh, je repensais à une chose qui me frappe tout de suite quand euh, je lis euh, Guillaume de euh, c'est que l'histoire est le schéma de l'histoire me rappelle quelque chose que j'ai lu avant si je lis par ordre chronologique les œuvres de la littérature française médiévale c'est-à-dire que cela me rappelle les romans courtois et en particulier Chrétien de Troyes euh, là encore il y a la quête d'une dame euh, là encore il y a un idéal de courtoisie euh, qui passe euh, par des rites euh, comme ceux de euh, la vassalité et de l'hommage là aussi il y a une quête à travers une série d'épreuves où il y a Côté euh, des adjuvants et de l'autre des adversaires, mais la première chose qui me frappe c'est que chez Chrétien de Troyes, le héros est un chevalier et que cette quête, ces épreuves ont essentiellement un caractère militaire. Nous sommes dans un monde d'une aristocratie guerrière. Cinquante ans plus tard, avec Guillaume de Loris, cette aristocratie a désarmé dans euh, la quête d'amour. Euh, est-ce qu'il y a là, selon vous, quelque chose qui est en rapport avec l'évolution de la société, l'évolution de la sensibilité, l'évolution de la littérature, Jean-Charles Payen Je ne crois pas, parce que le roman de la Rose de Guillaume Deloris est à peu près contemporain, par exemple, des grands romans chevaleresques en prose, le Lancelot en prose ou le Tristan en prose, où se développe précisément cet amour fondé sur la prouesse, Personnellement, je me demande si Guillaume de Loris, dans le roman de la Rose, ne remonte pas à la plus ancienne tradition courtoise, c'est-à-dire précisément celle des troubadours occitans, chez lesquels la prouesse militaire et sportive euh, compte beaucoup moins qu'un certain nombre de qualités morales qui sont mises en relief par l'épreuve. Et c'est toute la distance qu'il y a entre l'occitan pro et ça, qui qualifie un ensemble de vertus, et les Français du Nord, prouesse qui, en effet, implique la prouesse militaire. Daniel Poirion Je crois que ce que montre l'allégorie, c'est la transformation de l'aventure en un rituel. Et tout le schéma euh, des images et des personnages, et des étapes même de l'épreuve subie par le jeune homme, transforme ce qu'il y aurait pu être l'histoire d'un amour, c'est-à-dire au fond l'histoire du narrateur racontant dans un songe qui s'est avéré prémonitoire ce qui plus tard lui est arrivé. En fait, tout cela est transformé en, le, en ce qu'on pourrait appeler presque l'initiation à l'amour, selon un rituel dont évidemment l'intérêt serait peut-être de chercher le rapport, soit avec l'idéologie particulière d'un groupe social, soit plus profondément, peut-être, vers ce qui serait le mythe de cette époque, ou du moins de cette tradition. Et alors, de ce point de vue, euh, Jean-Charles Payen a raison de montrer un certain décalage pris par rapport à un aspect de la vie sociale, enfin de la structure sociale, c'est-à-dire l'aspect de la chevalerie militaire. Mais peut-être parce que justement on s'adresse à quelque chose de plus profond et de plus euh, fondamental. Songeons par exemple à, à cette vocation traditionnelle des arts d'aimer dans toutes les cultures. Et dans toutes les civilisations euh, en Chine, on a étudié à travers eux ce qu'on appelle dans, dans notre langage moderne, qui dépoétise la vie sexuelle dans la Chine ancienne. Or, il est évident que, d'une part, on trouve quelque, un message essentiel pour comprendre les structures de ces, de ces sociétés. Mais en même temps, euh, il n'y a pas une... Image qui reflète tous les aspects de cette société. C'est-à-dire, c'est euh, ici un travail en profondeur et, et qui me fait penser davantage au mythe, alors à ce point de vue, qu'à l'idéologie. Cependant, Daniel Poirion, vous avez euh, fort bien insisté dans votre livre sur euh, l'aspect d'idéal de cour qu'il y a dans l'œuvre de Guillaume de et par conséquent, vous paraissez euh, relié. Vraiment euh, cet euh, idéal à un groupe social particulier, à un milieu social de l'époque et cela pose certains problèmes, des problèmes euh, historiques en particulier et Jacques Le Goff pourrait peut-être nous dire un mot lui-même de ce qu'il pense de la réalité d'un milieu de cour. À cette époque-là, en tant que milieu raffiné, milieu de culture, évidemment, nous savons bien qu'au XVe siècle, il y a eu des cours avec un certain raffinement, mais au début du XIIIe. Eh bien, euh, il y a là un premier problème, me semble-t-il, de l'histoire littéraire du Moyen Âge, euh, qui est le rôle et la place de la cour capétienne dans l'histoire de la société, dans l'histoire des mœurs et des mentalités. Il semble bien que pendant longtemps, si ce n'est pendant presque tout le Moyen Âge, la cour capétienne, du point de vue de la vie de cour à proprement parler, du point de vue de l'idéologie d'une société courtoise, joue un rôle tout à fait mineur. Euh, je crois qu'il faudra attendre euh, la cour de Charles VI euh, pour trouver euh, des rapports plus étroits entre une idéologie de cour et la réalité de la cour royale. Je crois d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en reparler à propos du destin euh, du roman de la rose. Donc, ce n'est pas vers la cour capétienne qu'il faut se tourner. Il faut se tourner... Vers d'autres cours euh, qui sont des cours de grands seigneurs, euh, qui sont des cours de princes. Nous les connaissons assez bien euh, pour la seconde moitié du XIIe siècle. Euh, les cours euh, qui sont celles par exemple des cours de Champagne, des cours d'Aquitaine, des cours d'Anjou et bien entendu de la cour anglaise qui probablement à cet égard a été le principal modèle. Et c'est me semble-t-il un problème justement que de situer ces œuvres, cette société et le rôle de la cour capétienne. Malheureusement me semble-t-il, au moment où l'on écrit, où Guillaume de Loris écrit la première partie, du roman de la Rose vers 1220-1230, pendant la minorité de Saint-Louis et de Blanche de Castille, nous connaissons relativement mal ces cours, en particulier du point de vue culturel. Il semble que la cour de Champagne, euh, autour de Thibault, euh, continue à jouer un rôle important, et il me semble que c'est peut-être justement là que l'on verrait une évolution dans le sens d'une certaine démilitarisation, si j'ose employer ce vilain mot, de l'atmosphère, du comportement, de la mentalité de ces cours. Mais c'est une hypothèse. Daniel Poirion Oui, euh, je pense que non seulement démilitarisation pourrait caractériser ce qui se passe, mais presque des virilisations. Absolument. Il y a dans l'idéologie de l'époque une fascination pour ce qui est plus détendu, on pourrait dire féminin si l'on veut, et cela se manifesterait peut-être dans d'autres domaines, même religieux, c'est-à-dire cette fascination pour la... Le culte marial. Pour la femme, oui, et le pour marial. Marie. Et alors... Euh, d'un autre côté, je pense que les problèmes que pose la courtoisie à cette époque-là sont liés visiblement à l'éthique, à la morale et de l'aristocratie. Et ce que Guillaume Deloris exprime, euh, sans le dire, mais euh, profondément, je pense, c'est un, un certain malaise devant cette euh, loi courtoise qui s'est constituée. Ce malaise se manifestant très clairement par l'aboutissement au désespoir. Et ce n'est peut-être pas, c'est peut-être un hasard si le roman ne s'est pas terminé, mais c'est comme un signe, en somme, qui illustre assez bien une sorte d'impasse où, momentanément, sans doute, la courtoisie semble s'être engagée, c'est-à-dire que, avec cette éducation très répressive euh, sur le plan du langage comme sur le plan de la morale amoureuse, euh, où va-t-on Et euh, peut-être que les gens s'interrogent au fond d'eux-mêmes. Oui, on, il semble d'ailleurs qu'il y ait pendant cette période comme une grande crise de cette société chevaleresque de la seconde moitié du XIIe siècle, et sur un autre plan, on peut en voir le témoignage dans cette sorte de crépuscule des chevaliers qu'est la mort le roi Arthur. Dans notre débat consacré au roman de la rose, à l'occasion de la sortie de trois ouvrages, l'édition intégrale du texte en ancien français par Daniel Poirion dans les classiques Garnier-Flammarion, son étude sur le roman de la rose chez Hattier, et l'ouvrage de Jean Batany, approche du roman de la rose. Les quatre spécialistes réunis autour de notre micro, Pierre Badel, Jean Batany, Jean-Charles Payen et Daniel Poirion, ont essentiellement présenté la première partie de l'œuvre, celle qui, vers 1220-1230, a été écrite par un premier auteur, Guillaume de Loris. Mais la partie la plus importante, en tout cas du point de vue de la quantité du nombre de vers, c'est la seconde partie qui est écrite plus tard, qui est écrite par un autre auteur, Jean-Demain. Daniel Poirion, voudriez-vous, là aussi, nous présenter... Et l'auteur que je crois on connaît un peu mieux que Guillaume de Loris, et la seconde partie du roman. Nous connaissons en effet Jean Demain, qui se nomme au milieu du roman de la rose, en disant justement qu'il a continué l'œuvre de Guillaume de Loris, par d'autres ouvrages qu'il a composés, et en particulier des traductions. La plus importante est sans doute la traduction de la Consolation de Boès, texte fondamental pour la pensée du Moyen Âge, mais aussi la traduction des Épîtres de Pierre à et euh, la traduction de Végès sous le titre Art de chevalerie. Euh, oui, euh, si je me permets d'interrompre euh, un instant, oui. c'est pour souligner, comme vous l'avez d'ailleurs fait en, en partie, euh, l'importance, me semble-t-il, d'une part, de la traduction de Boès, c'est-à-dire euh, en fait d'un des principaux auteurs pour l'histoire et la mentalité philosophique du Moyen-Âge. Nous voyons donc un lien avec justement le monde des idées, le monde de la pensée, et d'autre part, les épîtres. L'échange de lettres entre Abélard et Héloïse, qui, eux, montrent le lien de Jean de Meung avec le monde de, sinon la courtoisie, car il est peut-être difficile, comme l'a fait Paul Zumtor, de voir dans cet échange de lettres un monument de la littérature courtoise, mais du moins du monde de l'amour. Voici donc un auteur qui est en effet mêlé à ce qu'il y a d'essentiel dans la vie intellectuelle au Moyen Âge, et que l'on peut situer chronologiquement, euh, d'abord parce qu'on sait euh, la date de sa mort, en 1305, et que l'on peut, d'après certaines allusions du roman de la rose, voir à peu près l'époque où il composait ce, cette œuvre, c'est-à-dire la fin à la fin du règne de Saint-Louis, vers 1270 et euh, plus probablement dans les quelques années qui suivent cette date on a conservé encore une œuvre qui lui est attribuée le testament texte satirique mais en même temps moral qui n'est peut-être pas sans avoir influencé François Villon voilà donc un auteur quelle est sa place par rapport à Guillaume de Lorris est-ce vraiment un continuateur ou bien est-ce qu'il a repris cette œuvre pour la corriger. À voir la composition de l'œuvre, on a l'impression d'ailleurs que son attitude a changé au cours de la rédaction. C'est-à-dire que au début, il suit, mais il reprend d'assez près le schéma narratif proposé, ou plutôt le schéma dramatique, on pourrait dire, proposé par Guillaume de Lorris, en faisant intervenir des personnages qui étaient Intervenu chez Guillaume de Loris, soit pour dissuader l'amoureux de persévérer, par exemple raison qui parle, soit pour l'encourager et lui donner des conseils tactiques, amis, représentant l'amitié éclairée, et aussi il le fait de nouveau comparaître devant amour pour lui faire réciter la leçon. Que Amour lui avait enseigné dans la partie concernant Guillaume de Loris. D'autre part, certains éléments euh, de l'intrigue concernant la conquête de la Rose et la délivrance de Bel Accueil enfermé dans le château sont visiblement repris euh, à son modèle, c'est-à-dire à Guillaume de Loris. Donc, dans la première partie de son texte, sur le plan de la narration, il semble suivre le schéma déjà utilisé par Guillaume Deloris, ce qui n'est pas le travail d'un continuateur, mais plutôt de celui d'un remanieur. Ou plutôt, l'amplification, le développement de l'œuvre se fait en spirale et non pas d'une façon linéaire, en ajoutant quelque chose. Néanmoins, euh, il va euh, poursuivre, malgré tout, jusqu'à son succès final, l'attaque. La, du château et d'ailleurs il présente cette attaque en termes nettement plus militaires construisant une sorte d'épopée dont il faudra d'ailleurs préciser le ton mais enfin disons une épopée allégorique qui avec l'aide de Vénus et de son brandon enflammé réussira précisément à mettre le feu dans ces résistances qui s'opposaient à son désir et à la fin du texte Prenant alors une, un autre thème allégorique, celui du pèlerin qui va aboutir au terme de son pèlerinage, c'est-à-dire au sanctuaire où il rêvait de venir faire ses prières, nous voyons notre pèlerin ainsi arriver jusqu'à la rose, et ce sera la fin du songe. Il y a donc un schéma narratif, malgré l'importance, le volume de cette euh, soi-disant continuation, un schéma narratif assez simple. Mais naturellement, l'essentiel de l'apport de Jean Demain euh, par rapport à ces quelques 4500 vers narratifs qui donnent une, une proportion à peu près analogue à celle de la première partie euh, réside dans la rédaction de très longs discours, en particulier les discours de raison, d'amis, de faux semblants, personnages dont il faudra en parler, de la vieille et de nature qui euh, nous donne le plus beau et le plus long discours du passage. Nous voici donc invités, d'une part, évidemment, à méditer sur ce prolongement de l'allégorie, cette reprise de l'allégorie d'amour, mais en même temps, invités, et nous serons amenés à le faire peut-être en plusieurs étapes, à explorer les grands discours de Jean Demain. Jean-Charles Payet. Je voudrais intervenir sur deux points, la notion de continuation et, deuxièmement, la notion de discours. Sur cette question de continuation, il y a beaucoup de choses à dire. Au Moyen Âge, il n'y a pas encore de véritable propriété littéraire. L'œuvre tombe dans une sorte de domaine public, chacun peut la remanier à sa façon, et ce mécanisme de la continuation, ce fait de poursuivre des œuvres inachevées est quelque chose d'extrêmement fréquent. Euh, le, le Lancelot de Chrétien III était inachevé, a été fini par un continuateur, le Comte du Graal aussi. Mais Jean de Main a une originalité, me semble-t-il, par rapport à ses continuateurs, c'est qu'il est plus qu'un continuateur. Je crois qu'il est important de voir que Jean de Main est un traducteur. Or, qui dit traducteur au Moyen Âge ne dit pas traducteur au sens moderne, c'est-à-dire à l'exactitude du de la traduction, c'est quelque chose d'autre. Le traducteur est toujours un peu un glossateur qui, en même temps qu'il traduit, commente. Et il me semble qu'il y a un peu de cela dans la démarche de Jean-Demain. Je ne dis pas qu'il traduit euh, Guillaume de Deloris, mais comme l'a très bien dit Poirion tout à l'heure, il explicite. Il explicite et donc il va ajouter toutes sortes de choses et en, ajout en ajoutant, il va peut-être aussi, mais c'est un autre problème que nous verrons plus tard, s'opposer. Oui, euh, je m'excuse de vous interrompre une seconde, mais en dehors même euh, de la nature de l'œuvre et de l'auteur au Moyen Âge et au XIIIe siècle, il y a aussi évidemment le fait de la différence des milieux d'origine qui a été souligné, bien qu'on connaisse très mal Guillaume de Loris, il est certain qu'avec Jean de Main, on passe dans un milieu plus clérical, universitaire même de façon précise, et puis d'autre part, il y a la différence des époques. Nous sommes cinquante ans plus tard, on aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours du débat, mais je crois dire qu'une chose qui, d'ores et déjà, est très frappante, c'est contrairement à l'image que l'on peut peut être avoir d'un Moyen Âge très lent, d'un Moyen Âge qui se fige, eh bien nous voyons au contraire que les nouveautés intellectuelles et idéologiques se répandent dans la littérature et dans les mentalités avec une très grande rapidité jean Le Payen, vous ajouter quelque chose. Oui, je voulais parler maintenant de ces déferlements des discours dans le second roman de la Rose, alors que le premier roman de la Rose est finalement très narratif. Dans le deuxième, les parties narratives, je n'ai pas fait la statistique, mais occupent à peu près le quart de l'œuvre, et le reste, eh bien, le reste, ce sont de très longs monologues. Coupé, interrompu par un certain nombre de dialogues, d'ailleurs souvent un peu artificiels, et qui sont là pour relancer en quelque sorte l'intérêt de l'auditeur. Et alors, c'est ici que se pose un problème de composition. Et quand on prend le roman de la rose, quand on commence à le lire naïvement, on se sent perdu parce que ces discours vont dans tous les sens. On a l'impression d'une série d'énormes digressions. Et. Quand on arrive à dominer un petit peu tout cela, on s'aperçoit que c'est très organisé, qu'à l'intérieur de ces discours, il y a des lignes de force, il y a des points qui reviennent sans cesse, il y a même, et Daniel Poyon le montre très bien dans son livre, des architectures symétriques, que tout ceci est très bien composé, conformément finalement à un double principe qui est très fréquent dans la littérature médiévale, le principe de dispersion, la pensée qui va dans tous les sens, et retour à la cohérence. Retour à l'unité. Et ah, ici apparaît quelque chose d'autre. Il apparaît que ces discours, finalement, se redisent les uns et les autres. Je veux dire, sauf exception, le discours de faux semblant marque évidemment un certain écart, mais il y a un premier discours qui est celui de raison. Et puis à la fin, il va y avoir des discours qui sont des discours de nature et d'un personnage mystérieux sur lequel il faudra également revenir, qui s'appelle Génius. Or, on s'aperçoit que toutes sortes de développements de ces discours finals ou finaux se trouvent déjà dans le discours de raison c'est-à-dire que nous avons une dispersion qui n'est qu'apparente et finalement une pensée qui avance à coup d'association d'idées mais selon tout de même une certaine logique ceci pour dire que la lecture de Jean de est une lecture finalement trompeuse pour arriver à dominer cette auteur il faut pouvoir en connaître les tenants et les aboutissants, pouvoir les lire en quelque sorte synthétiquement, globalement, pouvoir courir d'un bout à l'autre du, du roman. Et en définitive, euh, peut-être tout à l'heure développerons-nous les aspects un peu prophétiques de, de Jean Demain qui annoncent toutes sortes de pensées à venir. Eh bien, il y a déjà un peu de montagne chez, chez Jean Demain dans la mesure où, précisément, c'est une pensée qui sait où elle va sous une apparence d'incohérence. Oui, il y a toujours de la, la gratuité et du risque à comparer euh, deux domaines culturels euh, différents, euh, mais on peut peut-être aussi se demander euh, si dans la structure de la pensée et de l'œuvre de Jean de Meunck, il n'y a pas quelque chose qui ressemble aux nouvelles structures musicales de l'époque et à la polyphonie. Daniel Poirion. Je pense dit. à la structure de l'enseignement dialectique qui se répand et qui est au programme des universités. Bien sûr. Là, la référence Or, est beaucoup plus nette. Et beaucoup Or Jean plus Demain est un universitaire. C'est d'ailleurs un, un, un fait nouveau, on peut dire, dans notre littérature du Moyen-Âge. Il est probablement formé par cette nouvelle éducation qui s'est enrichie de textes d'Aristote jusqu'à présent euh, méconnus. C'est-à-dire que les textes de l'Organone sont maintenant tous connus. Ils sont au programme de la Faculté des Arts. Or, justement, on peut se demander si, au niveau de la composition d'ensemble, ce qui ne caractérise pas ces discours, c'est la dialectique. Euh, C'est-à-dire, euh, chacun va au bout de son raisonnement, et euh, thèse s'oppose à thèse, il y a le pro, le pour, il y a contra, le contre. Et alors c'est au pauvre narrateur devenu le disciple universitaire, on peut dire, de faire son apprentissage et son éducation au milieu de ces contradictions. Or, justement, ce qui est important, c'est que la contradiction intervient ici dans la, une réflexion sur l'amour. N'oublions pas que nous avons affaire à un art d'aimer. Or que veut dire cette intervention maintenant de point de vue contrasté? Cela veut dire qu'on ne croit plus à la loi dictée par le Dieu amour, c'est à dire que l'on cherche le, des points de vue opposés à ce point de vue qui a été celui de l'amour courtois. Donc l'importance de Jean Demain est considérable dans la mesure où il donne une voix autorisée. À des phénomènes, à des aspects de la pensée amoureuse qui jusqu'alors étaient euh, revues poussés ou refoulés, ou qui se réfugiaient dans des domaines de la littérature euh, apparemment euh, de distraction, euh, simplement pour rire. Voilà que l'on semble prendre au sérieux la thèse, par exemple, de l'hypocrisie en amour, nécessaire pour parvenir à ses fins, ou, ce qui est encore plus important, voilà qu'on écoute longuement parler une vieille prostituée qui va prendre le parti qui semble être une cause féminine ou féministe même, et qui va attirer l'attention sur le point de vue féminin sur l'amour. Or, ce point de vue féminin sur l'amour, dans quelle mesure, malgré leur adoration, les poètes courtois y faisaient-ils attention Est-ce qu'ils n'avaient pas sublimé, magnifié la dame pour mieux laisser parler leur désir masculin, leur érotisme masculin L'importance de cette dialectique, c'est tout de même de susciter en face de l'amoureux la réalité, d'ailleurs inquiétante, et présentée à partir de renseignements littéraires ou autres, de poncifs également inquiétants, la réalité féminine. Oui, euh, je crois que vous nous avez très bien montré comment il y a à la fois avec Jean de Meung une modification de forme, euh, en particulier par l'introduction de procédés scolastiques, mais en même temps euh, modification du contenu par l'apparition d'autres points de vue, en particulier par l'apparition des antithèses, euh, ce qui contribue à donner à la partie de Jean de Meung, d'une part, son allure un petit peu de d'anti-Guillaume de Loris, et aussi, d'autre part, son attitude de critique de la société, son attitude contestataire. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais peut-être que nous nous arrêtions un petit peu sur ce que vous venez de si bien introduire, c'est-à-dire les attitudes à l'égard de la femme et à l'égard de l'amour tel qu'on le voit dans la deuxième partie du roman de La Rose Jean Batany. Oui, c'est en effet assez différent car Jean Demain se dégage de la tradition courtoise telle que la définissait tout à l'heure Jean-Charles Païen pour présenter dans l'amour, d'autres problèmes. Et s'il prend en, en considération l'amour féminin, c'est peut-être aussi parce que il dévalorise, dans une certaine mesure, aux yeux d'un idéaliste en tout cas, l'amour masculin et la fin même de son œuvre est assez caractéristique puisque c'est en somme une petite traité d'éducation de formation sexuelle hein, sur présenté sous la forme euh, amusante d'une métaphore continuée. Eh bien, cette façon de voir l'amour la, la, l'amène assez curieusement à le placer par exemple aussi bien dans le mariage qu'en dehors du mariage, ce qui est assez surprenant quand on pense que la plupart des poètes et des théoriciens précédents le plaçaient plutôt en dehors du mariage. Et malgré les tentatives de Chrétien de Troyes, il oui, n'intégrait pas, chez il y a une exception chez Chrétien, mais c'était assez idéalisé, ça n'était pas posé à partir des réalités quotidiennes du mariage. Au contraire, Jean de le fait dans un des passages les plus euh, frappants, les plus amusants de son œuvre, où, euh, sous prétexte d'aborder, suivant la tradition... Euh, qu'il y avait chez d'autres auteurs comme Ovid ou comme André le Chaplin à la fin du XIIe siècle, sous prétexte d'aborder, après le problème de l'acquisition de l'amour, celui de la conservation de l'amour, il se pose carrément le problème des relations euh, conjugales et il euh, fait parler un mari euh, qui est visiblement un cocu, une sorte de sganarelle comme dit euh, Daniel Poirion, et qui euh, s'en prend à sa femme. On a donc là, à cette occasion, avant ce discours, pendant ce discours, après ce discours, des considérations qui portent sur les femmes et qui portent sur le mariage, si bien qu'on se retrouve paradoxalement, à partir d'une œuvre qui est née de la tradition courtoise, devant des passages où il y a une reprise des violentes attaques contre les femmes qui se retrouve par ailleurs dans une autre tradition du Moyen Âge, la tradition des moralistes. Oui, c'est ce qui donne justement cette euh, apparence très contrastée euh, à, au roman de la rose de Jean de Meun, où nous avons à la fois, comme Daniel Poirion euh, l'a rappelé, euh, un exposé à travers le discours de la vieille d'un point de vue féministe, et en même temps euh, presque une exaspération euh, de l'exposé du point de vue euh, antiféministe. Jean Charles Payen. Je voudrais revenir sur la question des arts d'aimer. Guillaume de Loris s'inscrit dans une tradition qui est une tradition courtoise. Il y a peut-être référence à Ovid, mais à un certain Ovid, à l'Ovid qui a écrit que tout amant est un soldat, que donc euh, l'amour est une conquête, une conquête glorieuse, et finalement une idéalisation de l'amour. Mais à côté de cela, Jean de Main se réfère à un autre Ovid. Ovide a écrit... Des, des ouvrages sur l'amour, il a écrit un art d'aimer qui est cynique, qui explique les recettes de séduction, qui explique les comportements à avoir quand, par exemple, euh, l'amant la, se fait prendre en flagrant délit euh, dans les bras d'une autre femme, etc. Or, une chose qui est amusante, c'est de voir qu'à l'époque de Jean de Main, à la fin de ce XIIIe siècle, on voit pulluler dans la littérature française des arts d'aimer qui sont des arts d'aimer non plus courtois mais cyniques et qui sont des recettes de séduction et qui exposent très bien une certaine hypocrisie de l'amour. Il semble qu'il y ait eu là démystification, qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit intervenu dans la littérature et de ce point de vue-là, quant à l'évolution de la société, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pierre Badel. Oui, enfin, il me semble quand même personnellement qu'on qu en arrive à se demander, malgré le discours de raison, le premier des discours justement qui introduit la continuation de Jean Demain, et discours où raison définit quatre ou cinq catégories d'amour, on en arrive quand même à se demander si on peut encore parler euh, d'amour, enfin, d'une. Euh, si on peut encore euh, dire que pour euh, Jean Demain, enfin, ce que maintenant, justement. À la suite du phénomène courtois que nous appelons amour, enfin, ça existe encore, n'est-ce pas, pour Jean Demain. J'ai l'impression que, quand même, on aboutit à une sorte de négation complète de euh, cette euh, valeur. Euh, L'amour étant finalement, me semble-t-il, et ça apparaît pratiquement, il y a quand même une convergence, disons, de la plupart des discours, il y a une convergence de l'ensemble de l'œuvre dans ce sens. Euh, L'amour. Euh, c'est au fond réduire, enfin je ne pas réduire, dans l'esprit de Jean-Demain, ce n'est peut-être pas du tout péjoratif, mais euh, c'est le plaisir, et un plaisir qui est lui-même une sorte de ruse de la nature, un moyen de la nature, n'est-ce pas, pour, c'est vraiment une idée qui nous paraît tout à fait curieuse, n'est-ce pas, pour, euh, permettre à la euh, pour permettre à l'espèce humaine de se continuer, de se perpétuer. Alors, c'est vraiment là, on aboutit à une idée qui, paraît, qui me paraît personnellement très très originale. Enfin, je, au XIIIe siècle, on ne trouve pas d'auteur qui présente des choses analogues, et non plus dans l'histoire. Enfin, je ne vois pas, n'est-ce pas, vraiment de position analogue à celle de Jean Demain. Et par la suite, au XIVe, XVe siècle, je, ces je, idées n'ont pas été vraiment reprises à ce sujet Je me demande pourtant, et nous aurons l'occasion certainement d'en reparler à la fin de notre débat. Si dans les propositions, c'est-à-dire disons les thèses philosophiques, qui sont condamnées par l'évêque de Paris et qui visent visiblement d'abord des maîtres de l'université de Paris au moment où Jean de Meung écrit le roman de la rose en 1270 et en 1277, il n'y a pas un certain nombre de conceptions de l'amour, ou disons plutôt euh, des rapports sexuels, de la vie sexuelle, euh, qui euh, sont très proches des conceptions de euh, Jean de Meung. Il me semble que là, c'est un point où des recherches plus précises seraient importantes. Mais Daniel Poirion, vous voulez dire quelque chose Oui, je veux dire que justement, la réalité euh, historique à laquelle il faudrait faire allusion pour comprendre ces textes qui la raisonnent, en quelque sorte, nous échappe euh, malheureusement, pour l'essentiel, peut-être, en ce qui concerne la pratique sexuelle. Cela va sans dire. Il est clair, par exemple, qu'il y avait tout un problème de l'homosexualité qui justifiait certaines interventions, comme celle du poète qui écrivait en latin au XIIe siècle, Alain Delisle, qui fait se plaindre à la nature contre ceux qui pratiquent un amour contre nature. Or, chez Jean Demain, justement, puisque euh, on parlait tout à l'heure de plaisir, qui aurait remplacé l'amour, il faut bien voir qu'il y a le, un souci philosophique de mettre en accord la réalité avec un certain nombre de principes, et je crois euh, essentiellement avec le principe de la conservation de l'être humain, de la régénération de l'homme, et euh, en tout cas de, euh, un principe qui consisterait à respecter la nature telle que Dieu l'a voulu. Or, on dira, mais comme, pourquoi utiliser ces voies détournées, et notamment euh, par des passages extrêmement licencieux, voire obscènes, pour arriver à nous ramener à la morale telle que Dieu l'aurait voulu Eh bien, c'est que pour Jean Demain, il n'y a en somme de connaissance que par l'expérience. Et il le dit clairement dans son texte en utilisant la comparaison avec la cuisine. Il dit. Prenez un gourmand. Comment pourrait-il bien connaître la cuisine s'il ne va pas goûter de tous les plats, du, sac, du sucré du salé. Il ne pourra jamais dire s'il n'a pas goûté à tout ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et alors, euh, Jean Demain, avec c'est un, un procédé évidemment humoristique, mais malgré tout, il y a du sérieux toujours chez Jean Demain derrière le sourire. Jean Demain veut dire par là, il est bon de tout essayer. Et même en amour, cela évidemment c'est très scandaleux peut-être à cette époque, euh, même en amour, seule l'expérience en somme peut faire la connaissance. Peut, euh, donc il a, on ne peut pas se substituer par un, une, une sorte de catéchisme, on ne peut pas se substituer à la nature pour faire apprendre justement les gestes de l'amour. Alors, en ce qui concerne le mouvement intellectuel des universités et d'éventuelles condamnations, je crois qu'en effet, euh, autour de l'idée de nature, depuis près d'un siècle, une grande fermentation philosophique a lieu, euh, à quoi euh, la philosophie dite néo-platonicienne de l'école de Chartres a peut-être donné le départ, sans toujours pouvoir contrôler les réflexions qui en sont nées. Et très, très certainement, autour de Jean demain, il y a des gens qui ont été marqués par ce culte d'une nature naturellement très philosophique et très platonicienne, mais dont on voit bien qu'il pourrait être en accord avec quelque chose de plus païen éventuellement et de, qui réconcilierait l'homme avec son corps. Certainement, euh, Daniel Poirion, vous venez d'employer à propos de Jean de main le mot d'humour. Dans votre livre, vous êtes allé encore plus loin et vous avez employé un terme, un concept que jusqu'à maintenant, me semble-t-il, on n'a guère associé à Jean de main Bien entendu, on parlait de satire, mais vous vous parlez d'ironie. Et l'un des chapitres les plus passionnants de votre livre s'appelle L'enseignement ironique. Qu'entendez-vous par là Pour moi, l'ironie est une figure d'abord de rhétorique qui amène à dire le contraire de ce que l'on veut dire. Et si Jean-Demain me paraît pratiquer l'ironie, c'est dans la mesure où il donne la parole à des personnages, et par exemple faux semblants, qui visiblement disent le contraire de ce que Jean-Demain veut nous faire comprendre. Euh, J'entends en particulier, puisque Faux Semblant est le porte-parole des ordres mendiants le porte-parole de ceux qui ont euh, justement paru menacer une certaine tradition universitaire parisienne, j'entends que en lui donnant la parole euh, très certainement, au moins dans ce passage et quand il s'agit du personnage de faux-semblant Jean Demain entend pratiquer ce que j'appelle le discours ironique mais euh, évidemment j'avoue que dans mon chapitre j'étais allé un peu plus loin et je crois qu'il fallait le faire, en montrant que l'ironie chez Jean Demain part d'un parti pris philosophique et qu'à travers faux semblants, c'est une certaine pratique de la dialectique sophistique que vise notre auteur et que, à ses yeux, le remède contre la sophistique est le même que celui que Platon avait employé autrefois, et c'est celui de l'ironie. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec oui, que Daniel je Poirion, Jean il Batali... pas Il ne faudrait pas aller trop loin parce que Daniel Poirion, il me semble que vous vous contrediriez. Vous avez dit tout à l'heure que cette suite de discours présentait un caractère dialectique. Vous avez dit que Jean Demain nous présentait des voix autorisées et vous avez même dit exactement à propos d'une de ces voix autorisées qu'elle était prise au sérieux. Hein, il s'agissait, je crois, de la vieille. Alors si vraiment il s'agit d'une dialectique prenant successivement au sérieux des voix autorisées, on ne peut pas dire alors à ce moment-là que les, il y a une attitude d'ironie au sens euh, étroit et moderne du mot de l'auteur. On ne peut pas dire vraiment que ce que chaque personnage dit est absolument le contraire de ce que veut dire l'auteur puisque la pensée de l'auteur euh, dans une, euh, un débat dialectique de ce genre, progresse au contraire à travers chaque voix. Donc, il me semble, moi, que ces voix ne sont pas à prendre exactement au contraire de ce qu'elles veulent dire, comme euh, ce serait le cas dans un texte ironique moderne. C'est peut-être, euh, en somme, l'ironie telle qu'on pouvait la concevoir au Moyen-Âge, euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas vraiment de d'opposer deux façons euh, complètement différentes de comprendre un texte, le comprendre ce qu'il dit ou bien comprendre exactement le contraire comme par exemple le problème peut se poser pour le fameux texte sur l'esclavage des nègres de Montesquieu, il ne doit pas s'agir de cela au Moyen Âge la délimitation est moins tranchée, surtout dans cette atmosphère scolastique dont nous parlions tout à l'heure et il est évident que jean demain ne prend pas absolument à son compte ce qu'il fait dire à chacun de ses personnages mais il est évident aussi qu'il y a dans ce que disent tous ces personnages même la vieille qu'il y a euh, des choses qui correspondent à sa pensée je pense que il ne faut pas évidemment euh, se rallier au point de vue de certains critiques et en particulier des critiques américains qui de peur d'être Cherche de l'ironie partout, et même chez Guillaume de Loris. Ce n'est pas du tout mon opinion. Je pense que l'ironie joue un rôle momentané dans la dialectique de Jean Demain, et je pense qu'elle cède la place à d'autres figures, et euh, en particulier à partir du discours de Nature. Mais je, ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est néanmoins le, la difficulté qu'il y a dans la présentation d'un perso, perso, personnage comme faux semblant, parce que ce personnage masqué est, est amené à se faire le porte-parole de gens dont visiblement Jean Demain euh, abomine les idées. C'est un cas particulier, parce qu'il représente la duplicité, ce personnage. Alors, mais <laughs> euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'on. Pren pouvait prendre au sérieux euh, le discours de la vieille. Euh, Là, j'ai peut-être eu tort, parce que justement, il y a tout un passage euh, au centre du texte où, euh, qui, me qui me paraît ironique dans sa construction même, parce que si l'on suit les conseils d'amis, on se heurte euh, à ce qui est symétrique, c'est-à-dire si l'on suit la morale du libertinage masculin, on va se heurter au libertinage. Féminin. Et alors, ce que je veux dire, c'est que la confrontation de ces deux euh, thèses opposées et de ces deux morales aboutissant à une euh, contradiction et à une impasse, en quelque sorte, j'ai l'impression d'un moment ironique, des ans et où le en somme, le disciple pourrait être désemparé. Et d'ailleurs, on va avoir recours à un tout autre procédé après, c'est-à-dire euh, l'assaut du château va reprendre avec l'aide de Vénus. Pour moi, l'ironie n'est pas la totalité du roman de la rose, elle en est une partie, un élément. Jean-Charles Payen Oui, c'était sur faux semblant, mais peut-être anticipais-je un peu. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons affaire à un personnage dont le sens m'apparaît assez clair. Pour Jean de Main, il y a finalement deux types d'amour. Il y a un amour loyal et fine, dit-il, celui qui a existé dans les anciens temps. Et puis, il y a l'amour présent, dans une société qui est une société, qui est une société compromise. Alors, dans cette société, il faut jouer le jeu de cette société. Il faut donc un certain mensonge en amour, il faut une certaine mauvaise foi en amour. Ça, c'est... La, le sens de faux-semblant dans le récit. Mais ce qui est curieux, c'est que le discours de faux-semblant oublie cette perspective, que faux-semblant, entraîné par son propre discours, va prendre une toute autre dimension et va devenir, de manière antiphrastique, le, le porte-parole d'une polémique religieuse, enfin plutôt anti-religieuse d'une polémique contre les ordres mendiants. Oui, dont nous aurons probablement à reparler. Pierre Badel. Oui, moi je voudrais ajouter que... À dire à peu près, enfin, confirmer ce que vient de dire Jean-Charles Payen, la présence de faux-semblants et, et de, de ce personnage, son rôle essentiel dans le récit, euh, ça fait problème pour le lecteur moderne, c'est indubitable. Mais, d'un autre côté, euh, on ne peut pas avoir la moindre hésitation, alors, sur le sur la valeur que Jean Demain lui-même attache à ses paroles Jean De, euh, il se pose évidemment pour tout écrivain un problème lorsqu'il a à mettre en scène un hypocrite, mais là il n'y a absolument aucun doute, faux semblant est le, est le premier à dire que pour une fois il va être véridique, il va dire la vérité, il va s'expliquer et on ne peut avoir aucune hésitation enfin sur euh, la, la satire enfin, le, la véritable haine que Jean Demain portait à l'égard des Jacobins. Daniel Poirion, dans votre recherche du sens de l'œuvre, vous accordez une grande importance au mythe de Pygmalion qui apparaît presque à la fin de la deuxième partie du roman de la rose de Jean de Meung. Et il y a là une interprétation qui paraît extrêmement intéressante. Pourriez-vous nous en dire un mot oui, la place même de ce récit, après en somme la fin de tout ce qui est euh, drame allégorique, est assez surprenante. Et euh, ce qui attire l'attention aussi, c'est que, en somme, l'histoire de Pygmalion Telle que la raconte avec beaucoup de complaisance et beaucoup même d'imagination notre poète, semble répondre au mythe de Narcisse à quoi Guillaume de Loris avait accordé une certaine importance et qui semblait comme un avertissement euh, justifiant peut-être des précautions à prendre en matière d'amour. Rappelez-vous, l'histoire de Pygmalion commence un peu comme l'histoire de Narcisse, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un homme, un sculpteur Pygmalion qui n'obéit pas aux lois de l'amour, il reste insensible aux séductions féminines. Et euh, c'est un peu le crime de Narcisse qui euh, sera sanctionné, comme vous savez, par sa mort, après euh, qu'il soit tombé, après qu'il euh, euh, se trouve amoureux de lui-même. Mais euh, l'histoire de Pygmalion a une deuxième partie. Qui, termine, qui se termine bien c'est-à-dire qu'ayant euh, dans la logique même de son personnage euh, ayant composé en tant que sculpteur une figure féminine dont il s'éprend il est évidemment torturé par l'amour et si il il était mort d'amour, son histoire reprendrait exactement celle de Narcisse. Mais que se passe-t-il Il croit en Vénus, il croit en la déesse de la volupté et du plaisir, et il va la supplier d'intervenir. Or, Vénus va intervenir parce que Pygmalion lui-même l'aide. Pygmalion, en effet, dorlote sa statue, sa froide beauté de pierre. Il l'habille, il la caresse, il lui fait des prières, il euh, la, lui chante, il lui fait la cour, en quelque sorte. Et Vénus va intervenir, va euh, pour lui opérer le miracle qui est de réchauffer la pierre, de, de rompre en somme cette froideur insensible de la beauté féminine telle que l'a sculptée l'homme. Et je pense que dans cette métamorphose de la statue composée, sculptée par l'homme, en une créature féminine, aimante, et qui tout de suite, justement, euh, s'unira à lui pour euh, lui donner un enfant. Euh, dans cette métamorphose même, nous avons, il me semble, un exemple que l'auteur nous laisse à méditer. Peut-être que cet exemple résume, à différents niveaux, son message. Son message peut être pratique d'abord, la technique amoureuse qui euh, doit intervenir dans le couple si l'on veut justement parvenir à ses fins, c'est-à-dire euh, que L'homme joue son rôle dans l'éducation sexuelle de la femme, mais euh, plus profondément encore, il semble qu'il y ait dans le choix de Pygmalion le choix d'un type d'humanité, euh, artisan et artiste. Les deux idées sont alors confondues. Qui se substitue à celui du damoiseau qui était, en somme, le protagoniste du drame vu par Guillaume de C'est pourquoi je pense que l'auteur nous a laissé à réfléchir sur cette vieille histoire, car euh, n'en doutons pas, l'homme du Moyen Âge connaît la mythologie, sait commenter la mythologie. Il lui arrive d'en donner des interprétations évidemment forcées ou simplistes ou plates, mais il a le sens du mythe qu'il y a derrière la mythologie. Et c'est un, une des surprises heureuses de l'allégorie en général que de nous ménager parfois des perspectives sur le mythe comme celui-là. Et vous pensez en définitive, comme je crois vous l'avez écrit, que ce Jean de Meung, sorti du milieu universitaire, à la tête philosophique, très méfiant à l'égard de tout ce qui peut être magie ou sorcellerie, n'a pas hésité à suggérer ici, peut-être, une interprétation alchimique non seulement de l'œuvre qu'il a écrite, mais d'une interprétation euh, de l'univers. Il y a des rapports avec l'alchimie. Euh, Jean Demain ne dit pas de mal de l'alchimie, il dit que c'est science véritable, alors qu'il dit du mal de toutes les autres formes de sciences occultes, et qu'il euh, nous invite à nous méfier même de l'astrologie. Mais je crois, je ne, suis pas, je ne pense pas, si l'on veut, comme le pensent certains très rapidement, que le roman de la rose soit une œuvre alchimique en soi. Ce que je crois, c'est que le modèle de pensée alchimique exerce une certaine fascination sur les philosophes de l'époque et qu'au fond, c'est une sorte de programme de science en l'absence de toute pensée de la science. L'alchimie. En, malgré tout, c'est tout de même la préfiguration de la chimie et surtout la préfiguration de l'industrie. Et je crois que notre philosophe épris de modernité a euh, réfléchi sur cette structure dans cette perspective. Messieurs, tout au cours de ce débat, vous avez beaucoup insisté sur deux aspects du roman de la rose. L'un, c'est la liaison étroite qui existe entre L'œuvre, et surtout la seconde partie, celle de Jean Demain, et les grands courants d'idées du XIIIe siècle, plus même des grandes controverses philosophiques et théologiques, dont en particulier l'université de Paris, à laquelle Jean Demain était visiblement lié, où il a fait ses études, euh, a joué un rôle de premier plan. Nous n'avons pas le temps, je crois, de revenir en détail sur certaines de ces controverses importantes, par exemple sur tout le courant naturaliste que l'on voit à partir de l'école de Chartres, probablement, comme Daniel Poirion le rappelait, à propos de certaines tendances d'un aristotélisme plus ou moins hérétique, celui que l'on désigne sous le nom d'avéroïsme, et tout mouvement dont au moins les expressions les plus outrancières ont été précisément condamnées lors de ces condamnations par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, condamnation reprise par la papauté en 1270 et 1277. De même, si vous le permettez, nous ne reviendrons pas sur le personnage de faux semblant, sur la querelle entre richesse et pauvreté, bien intéressante pourtant, car le personnage de pauvreté, nous le voyons déjà apparaître dans la première partie chez Guillaume de Loris, et c'est un personnage détestable, c'est un personnage hideux, que l'on sent profondément méprisé et redouté par cette société aristocratique dont la pratique est l'idéal, sont celles de la largesse, de la magnificence, et qui est reprise ensuite par Jean de Meung, mais dans un autre contexte, lié précisément à la querelle des ordres mendiants. Cette querelle des ordres mendiants, qui emplit tout le XIIIe siècle, et en particulier à l'Université de Paris, où les grands docteurs, on le sait bien, appartiennent souvent à ces nouveaux ordres mendiants dominicains. Franciscain, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, et en face d'eux, des maîtres séculiers, comme par exemple Guillaume de Saint-Amour. Et cette contestation par tout un courant de l'université de l'idéal de la pauvreté volontaire que présentaient les ordres mendiants. Non, disent-ils, la pauvreté n'est pas un idéal, elle peut être autant, sinon plus que la richesse, une source de vice. Cette pauvreté, d'ailleurs, nous en reparlerons prochainement au micro des lundis de l'histoire en discutant des deux volumes sur la pauvreté au Moyen Âge et au XVIe siècle qui viennent de paraître sous la direction de Michel Mola. En revanche, il y a un thème important dans la seconde partie du roman de la Rose de Jean de dont nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant et qui me paraît être un des aspects intéressants du paysage intellectuel de l'époque. Il s'agit du mythe de l'âge d'or et de l'origine du pouvoir. Il y a une véritable théorie politique, et en particulier de l'origine du pouvoir politique chez Jean de Meung. Quelle est-elle, Jean-Charles Payen Le thème de l'âge d'or est extrêmement intéressant chez Jean de Meung, et c'est vraiment un thème obsessionnel parce qu'il revient... À plusieurs reprises. Il est déjà présent dans le premier discours, celui de raison. Il est très développé dans le second discours, celui d'amis. Et il intervient encore dans le discours de nature. De quoi s'agit-il À l'origine, c'est toujours la réflexion sur l'amour. L'amour est une réalité compromise de nos jours. Mais dans le temps, l'amour a existé. Il y a eu une époque où les amours étaient des amours loyaux. Cette époque, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge du paradis perdu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, à ce moment-là, il n'y avait pas de propriété. Les hommes vivaient libres et égaux, d'une économie de cueillette, en respectant la nature. Ils respectaient à ce point la nature qu'ils ne transformaient pas beaucoup les objets, ils tissaient simplement la toile. Et dans cet univers paradisiaque, il y avait une égalité absolue, il n'y avait pas véritablement de pouvoir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ici, plusieurs explications. Tantôt, ces explications se situent sur le plan du mythe, dans le discours de raison et dans le discours de nature. C'était le règne de Saturne. Saturne a été castré par Jupiter, qui a substitué à l'ordre saturnien, qui était un ordre heureux, un nouvel ordre qui s'est révélé comme répressif. Et puis, dans le discours d'amis, les choses sont un petit peu plus complexes. Euh, L'équilibre de l'âge d'or était un équilibre fragile. Il y a eu un moment où s'est introduit une certaine compétition qui s'est traduite par des figures allégoriques, la présence de méfaits, la présence de Barras, c'est-à-dire de la, de la ruse au service de, de l'arrivisme. Et à ce moment-là, sont apparues plusieurs choses. Est apparue tout d'abord la propriété. Euh, la propriété, on a mis des bornes au champ, et les gens ont dit ce champ est à moi. Et à ce moment-là, cette propriété a développé avec elle un certain nombre de mots. Elle a abouti à la thésaurisation, les gens ont mis de l'or de côté. Pour garder cet or, il a fallu créer une police, il a fallu créer une armée. Et c'est à ce moment-là aussi, en fait. Euh, – ma relation n'est peut-être pas chronologiquement tout à fait exacte – qu'est apparu le pouvoir, c'est-à-dire que pour défendre cette propriété, on a choisi le plus fort, un, un grand vilain corsu, nous dit euh, Jean de Main, c'est-à-dire un homme qui était un homme solide et qui est devenu le premier roi. Et ce premier roi a établi à ce moment-là un ordre fondé sur la police et l'armée, c'est chez Jean de Main qui était un ordre répressif fondé sur la loi. Ce règne de la loi qui est le règne de l'ordre jupitérien, mais un ordre qui est un ordre mauvais par rapport à cet univers idéal qui était un univers anarchique, entre guillemets, l'univers de l'âge d'or. Tout ceci est d'ailleurs profondément lié à l'amour. Car qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là À ce moment-là, au lieu d'avoir un amour fondé sur la relation libre de deux partenaires égaux, il s'est créé un déséquilibre. Le mari a revendiqué des droits sur sa femme, qui est devenue sa propriété, ou également l'inverse, c'est-à-dire que la femme, et ici Jean Demain attaque l'amour courtois, a pris le pas sur l'homme et est devenue la dame. Ce qui, pour Jean Demain, est une sorte de mal absolu, cette inégalité dans l'amour. Tout ceci nous ramène à une idée fondamentale chez Jean Demain c'est que l'amour est un acte de liberté entre deux partenaires rigoureusement égaux. Alors il y a cette présence du mythe de l'âge d'or, qui est un mythe passéiste, bien sûr tout ceci s'est passé dans un temps lointain, mais peut-être une certaine perspective d'avenir malgré tout, parce que dans le dernier discours, le personnage de Génius développe l'idée d'un paradis, d'un paradis qui est accessible à tous ceux qui auront véritablement aimé, c'est-à-dire qui auront obéi à la loi de la nature, dans le cadre d'un amour entre partenaires égaux. Alors, derrière tout cela, il y a certes beaucoup de choses. Il y a toute une conception que, personnellement, je juge très moderne de l'amour. Il y a aussi, d'une certaine manière, une certaine théorie politique implicite que, personnellement, je ne rencontre nulle part ailleurs au XIIIe. Oui, euh, je crois que c'est un des points où le genre de que nous apparaît le plus moderne, comme vous l'avez dit, et peut-être même le plus révolutionnaire par rapport, par exemple, aux deux grands types, me semble t-il, d'explications du pouvoir politique qui règnent alors. L'une de ces explications, c'est l'explication philosophique et théologique, celle en particulier que vient de mettre au point Thomas d'Aquin et qui va être reprise par des disciples comme Gilles de Rome, à la rigueur, euh, la théorie de Jean de Meung pourrait s'appliquer à l'un des régimes politiques euh, décrits par Thomas d'Aquin, qui est celui de la tyrannie. Mais pas du tout euh, à celui de la monarchie, gouvernement juste, gouvernement du bien commun, qui, sans doute, découle de la nécessité d'une certaine répression sociale issue du péché originel, mais qui n'en représente pas moins un pouvoir politique non seulement légitime, mais juste. Et alors, d'autre part, au niveau de mythes, mais de mythes très influents, ceux qui se répandent en particulier dans les cours royales, qui sont les mythes des origines, mais des origines qui sont très positives. L'origine troyenne, par exemple, pour les rois de France, qui fondent d'une façon légitime dans le passé le pouvoir des princes. En revanche, je me demande, et là encore il y a peut-être un champ de recherche à ouvrir, s'il n'y a pas des rapports entre la théorie de Jean de Meingue et certaines perspectives eschatologiques du millénarisme, de certains courants hérétiques ou para-hérétiques, qui ont aussi, même s'ils n'ont pas abouti à des théories politiques, des implications politiques qui apparaîtront d'ailleurs davantage plus tard, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Jean-Baptiste. C'est peut-être aller un peu loin, il faudrait évidemment <laughs> éclaircir cela. J'ai essayé d'amorcer la recherche là-dessus dans mon ouvrage Approche mmh. sur le roman, du roman de la rose, en donnant un petit dossier de texte à rapprocher de Jean Demain, non pas pour établir des filiations philologiques, mais pour essayer de dégager euh, son originalité à cette époque. Et cette originalité chose curieuse semble aller à la fois du côté de l'importance donnée à la nature avec ce personnage du grand vilain, l'assistance sur le fait que le premier roi a été euh, presque un animal et puis euh, d'une importance donnée à la culture, puisque ce personnage tout de même est euh, élu et qu'il institue un ordre fondé sur la loi et Il me semble qu'il y a chez Jean demain dans cette perspective là quelque chose qu'on pourrait presque rapprocher de la conception d'Edgar de, Morin dans son ouvrage récent que je considère comme très important, Le paradigme perdu, la nature humaine, où il considère que la, la nature pour les êtres vivants et surtout pour l'homme, où elle se ramène pour lui à la culture, n'est pas un ordre établi au départ, mais la perpétuelle réorganisation d'un désordre et cette perpétuelle réorganisation d'un désordre c'est cela que semble avoir senti un peu jean demain euh, au lieu de s'en tenir à l'alternative simpliste de ne rêver que d'ordre ou de ne rêver que de désordre peut-être euh, en somme cette théorie euh, va-t-elle assez loin dans la conception de la nature euh, chez jean Eh bien vous le voyez euh, prolongement actualité du roman de la rose mais cela a été encore plus vrai euh, au Moyen Âge, car cette grande œuvre a connu non seulement un extraordinaire succès, mais a été l'objet d'interprétations et de discussions passionnées. Pierre Badel. Oui, euh, je voudrais quand même ajouter encore une chose à propos de l'origine du pouvoir, et ça me fournit une transition. Euh, les, la description que fait euh, l'importance que, que Jean-Demain attache à la propriété privée nous rappelle les textes de Rousseau. Eh bien, il faut quand même signaler que Rousseau avait lu le roman de La Rose. Oui. Il le cite d'ailleurs dans la Nouvelle Héloïse, euh, dans euh, une lettre de Monsieur de Volmar. N'est-ce pas Il cite la Nouvelle Héloïse. Euh, il cite euh, euh, le, roman le roman de La Rose. Bon, alors pour en venir très rapidement à, aux lectures qui ont été faites, si je puis dire, du roman de La Rose dans les siècles qui ont suivi au Moyen Âge, euh, tout d'abord, je voudrais dire que pour ces lecteurs du XIVe siècle, ça a été fondamentalement l'œuvre de Jean Demain. Enfin, le personnage de Jean Demain a complètement éclipsé Guillaume Deloris. D'autre part, dire aussi très rapidement qu'il me semble que ces lecteurs du Moyen Âge n'avaient pas du tout, comme nous, le désir de donner, de trouver un sens, un sens unique, un sens final au texte. Mais euh, c'est vraiment rare que l'on trouve... Euh, D'un côté, on peut dire que... Ils ne semblent pas, à proprement parler, avoir senti une grande opposition entre la première partie et la deuxième partie du roman de la rose. Mais s'ils ne l'ont pas senti, cette opposition, c'est que, par ailleurs, ils ne cherchaient peut-être pas à réduire le roman de la rose à l'unité. Il y a peut-être quelques exceptions et il y en a une, c'est celle le roman de la rose a été lu par des moines et en particulier par un moine béné bénédictin Guillaume de Digulville qui considère qui porte une condamnation très nette sur le roman de la rose qui considère que le roman de la rose c'est une œuvre tout inspirée par Vénus par la luxure. En général, ce qu'on relit dans le roman de la Rose, eh il bien, faut bien le dire, c'est surtout, euh, euh, surtout les passages qui concernent les femmes, la satire des femmes, c'est ça qui a retenu l'attention au XIVe siècle. Et alors, on commence, euh, les choses euh, changent euh, complètement à la fin du XIVe siècle, en 1401-1402, avec ce qu'on appelait la querelle du roman de la Rose, et qui est au fond la première grande querelle littéraire qui est connue euh, le monde culturel français. Et. Euh, sur laquelle nous avons des documents malheureusement trop euh, partiels et aussi très partiels. La plupart de ces documents ont été publiés en effet à l'initiative d'une adversaire du roman de la rose, de Christine de, de Pisan, qui a retenu de la querelle ce qui l'intéressait. Et euh, la querelle avait été lancée par un écrit aujourd'hui perdu d'un secrétaire du roi, qui s'appelait Jean de Montreuil, et euh, à ce propos, il faut signaler que justement, un des publics qui a le plus lu le roman de la Rose, eh c'est celui des hommes qui sont à cheval sur la politique et le droit, euh, des juristes ou des hommes de procédure, n'est-ce pas, ceux qui sont mêlés aux affaires. Dans ce milieu des chancelleries, pendant tout le XIVe siècle, et donc au moment où éclate la querelle, le roman de la Rose semble être un livre qui fait partie de la culture de base, n'est-ce pas, de ces gens. Eh bien, euh, ce Jean de Montreuil, donc secrétaire du roi, avait écrit un petit traité à l'éloge euh, qui faisait l'éloge du Roman de la Rose. Et ce traité déchaîne la colère de Christine de Pisan. Christine de Pisan, qui à l'époque euh, représente au fond disons grosso modo le courant courtois, et qui euh, combat avec euh, beaucoup de vivacité euh, Jean de Main, le Roman de la Rose et ses admirateurs reprochant évidemment au roman de la rose son antiféminisme, enfin ce, ce qu'elle appelle ça, euh, non, ses attaques contre les femmes, d'avoir mélidé des femmes, mais lui reprochant aussi des choses peut-être plus graves, enfin qui concernaient moins directement Christine de Pisan, euh, son impiété, euh, son, euh, son naturalisme, si l'on veut, enfin les, euh, toute une série euh, d'erreurs enfin contre la morale et contre la foi les partisans du roman de la rose ont une position qui est bien difficile à définir on a l'impression au cours de la querelle qu'ils se sont beaucoup amusés et qu'ils ont surtout aimé voir Christine de Pizan se déchaîner n'est-ce pas contre eux et les choses n'auraient pas été bien graves si euh, si Christine de Pisan n'avait été rejointe et appuyée très fermement par quelqu'un qui est quand même plus important, si on peut dire, dans l'histoire de la société, le chancelier de l'université parisienne de l'époque, le chancelier Gerson. Alors, avec l'intervention de Gerson, les choses changent quand même. Gerson est un personnage très important dans l'Église de l'époque et dans l'université de l'époque, et tout ce qu'il écrit contre le roman de la rose les allusions qu'il y fait dans ses sermons, et ça c'est quand même pas usuel de faire allusion à des œuvres n'est-ce pas euh, françaises dans des sermons, eh bien tous les tout ce que dit Gerson euh, corrobore les critiques que porte Christine de Pizan contre le roman de la rose en définitive, euh, Gerson et, euh, comme donc Christine de Pizan sont amenés à réhabiliter dans une certaine mesure Guillaume de Loris face à Jean Demain, mais surtout à reprocher à Jean Demain de graves erreurs contre la morale et contre la foi, comme je l'ai déjà dit, à considérer que c'est une œuvre qui est digne du bûcher, digne du feu. Alors, on se demande pourquoi euh, le chancelier Gerson a, euh, été si, a pris si violemment parti dans cette affaire. Et de manière d'une telle manière qu'il a finalement réduit au silence les partisans de euh, de Jean Demain. Alors je crois qu'il faut se rappeler pour expliquer la position de Gerson la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle l'Église se trouve au tournant du XIVe-XVe siècle. Nous sommes à l'époque du grand schisme d'une part. Nous sommes à l'époque où même la euh, si je ne me trompe pas, la France a, ne reconnaît plus l'autorité d'aucun pape, puisqu'elle a retiré, euh, elle a procédé à ce qu'on appelait la soustraction d'obédience à l'égard du pape d'Avignon. Nous sommes à une époque aussi à laquelle, euh, pendant laquelle fleurissent une quantité d'hérésies. Euh, on a fait d'ailleurs allusion tout à l'heure au, au, au phénomène millénariste, d'ailleurs. Eh bien, euh, tout ce contexte inquiète énormément, Gerson, et il est amené constamment à rapprocher les idées sur la vie sexuelle du roman de la Rose avec justement certaines thèses, n'est-ce pas, ou certaines attitudes reprochées aux hérétiques de cette époque-là, la nudité, l'antinomisme. Et il me semble que s'il attaque si violemment le roman de la Rose, c'est parce que, cet, il, en même temps, il révèle l'importance que cette œuvre avait dans la culture de ce, de ce temps-là. Une œuvre française. C'était dans une œuvre française, au fond, que. Euh, et, et bien sûr, Gerson est le premier à avoir écrit souvent en français. Mais il me semble qu'il avait. Là, il y en a une, une réaction, n'est-ce pas, d'Éclair, qui, devant le succès du roman de la Rose, eh bien, se ferme et estime que la lecture du roman de la Rose permet à des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas des clercs, qui ne sont pas des universitaires, qui ne sont pas des ecclésiastiques, de se mêler de graves problèmes philosophiques, théologiques et moraux, qui ne sont encore une fois pas de leur compétence, et à une époque où c'est extrêmement grave, où il n'y a plus beaucoup d'autorité, ni dans l'Église, ni dans l'État.